Mon fils, pardon, viens me livrer le gâteau, pardon. Continue de t'embrouiller, Maman Choco. Peut-être que tant que tu ne me rembourses pas, on a la dernière fois, je ne te livre plus jamais. Ouais, papa. Hein? C'est ce que je t'attendais pas, non? Tu comprends, non? Je t'attendais pas, s'il te plaît. Viens prendre ton argent. Quand tu parles, on dirait que je te dois même 10 000. Même si c'est 200, Maman Choco, seras sûre de mon fond. Si tout le monde est réalisé comme toi, il y a longtemps, tu serais rentré au village. Hein? Je te dois combien? 6 500. Bon, je vais d'abord te donner 5 000. Tu sais, je ne t'attendais pas, non? Tu payes la commande aujourd'hui? Ouais, papa. Toi-même, tu sais qu'on est ici seulement en train de se battre. Prends d'abord 5 000 ici. Je vais vendre aujourd'hui et demain, je te donne tout l'argent. Donc, tu finis le reste d'argent et... Et l'argent du gâteau d'aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Attends, on ne va pas prendre mon pouce avant. Ok. Ah, tu l'as te fâché parce que c'est quoi? Je ne sais même pas si c'est la tête de quelqu'un que tu as mis ici. Bavarde aussi trop. Pour un petit signe, c'est ça, tu bavardes. Aïe! Les enfants d'aujourd'hui, les yeux sont seulement sur la jambe comme ça, grippés comme l'araignée. Ah, non. Vraiment, arrête les bonheurs. Yé chérie, ton téléphone ne passe pas. Maman doit me tuer. Maman doit me tuer. La réunion de ce soir. Tu as promis que tu revenais avec l'argent. Ça fait déjà 3 jours ton téléphone ne passe pas. Je pense que tu m'as tué. L'argent des gens, quelle humiliation. Je n'aime même pas mon argent ni pour ma mère. C'est son argent des gens. Quelle humiliation. Qu'est-ce que tu m'as fait, chérie? Qu'est-ce que tu m'as fait, mon amour? Sérieux, c'est quoi ce silence? Ce silence m'inquiète. Pourquoi sommes-nous ici? Hein? Vous pouvez me dire, pourquoi sommes-nous là? Grand frère, si je t'ai déplacé du village pour la ville, c'était pour une mission. Accomplissons-la. Récupérons les biens de notre grand frère entre les mains de cette sorcière. Oh. Bon, je vous trouve dans l'incapacité de pouvoir le faire. Laissez-moi gérer. J'ai mes méthodes. Akamba, je te comprends parfaitement. Je suis moi-même rongée de l'intérieur. Tu ne peux même pas t'imaginer. Maman Choco a un courage et une détermination que je ne comprends même pas. On dirait qu'elle a écrit son scénario, elle a tourné son film et nous sommes les téléspectateurs en train de l'observer. Moi-même, je suis moi-même dépassée. Parole de lâche. Michel, tu es lâche. Moi qui croyais que tu avais enfin compris les choses, mais non. Je me rappelle comment tu m'appelais au téléphone. Akamba, s'il te plaît, remonte en ville pour qu'on puisse ensemble régler ce problème. Qu'est-ce que tu fais? Une fois de plus, tu plies ta queue entre tes jambes. On dirait un chien galeux. Akamba, je ne te permettrai pas de me manquer du respect de la sorte. Jusqu'à preuve de contraire, moi je suis ta grande sœur. Michel, Akamba, arrêtez-moi vos querelles inutiles là et réfléchissez. Réfléchir. Mais c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes assis là. Qu'avons-nous trouvé comme solution? Rien. À t'entendre parler, il me semble que tu as une solution. Voilà. Je me ferai le plaisir de l'écouter. Voilà, tonton. Michel, grand frère, agressons Maman Choco pour qu'elle puisse comprendre que l'heure n'est plus à la rigolade. Akamba, je doute très fort que ta méthode marche sur elle. Cette femme, jamais de ma vie j'ai vu pareille femme. Elle a bafoué nos traditions en refusant que je la prenne pour le veuvage. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Vous comprenez ça? Michel, au départ, je croyais que c'était les blagues. Je suis même allé m'installer chez elle. Je ne peux pas vous raconter aux petits détails les misères que cette femme m'a fait vivre chez elle. Moi, je comprends bien, tonton, parce que je connais qui est cette femme. C'est Akamba qui ne la maîtrise même pas. Mais elle sort la gueule plus que tout le monde. Elle pense qu'elle est avant tout le monde. Seigneur, tu m'as laissé dans quel genre de famille comme ça? Les lâches? Ouais, l'enfant là, Marie. Bonjour maman. Bonjour, comment vous allez? Bien maman. Merci beaucoup. Maman, c'est mon amie Nina dont je te parle toujours. Ah, ça tombe bien. Enfin, je colle un visage sur le nom. Sois la bienvenue ma chérie. Merci maman. Je sais, ça tombe bien. Depuis le matin, j'attends Maria. Elle n'est pas venue. Et j'ai des courses à faire. Tu dois d'abord rester ici pour vendre en attendant que j'arrive. Bien sûr, maman, tu me demandes ce matin. Demain, rappelle-moi, je peux oublier que je te donne l'argent de ta pension. Enfin, je finis avec. Merci, maman. Ok, à tout à l'heure. Merci, ma chérie. Merci, maman. Tu vois ce que je te dis. Quelle que soit la relation de ta mère, elle n'oubliera jamais son devoir de mère. Cette nouvelle me donne envie de prendre une tasse de lait, pas toi. Hein? Bien sûr. It looks like you lost another one.